Le projet Milka va apporter au niveau de l'ensemble de la chaîne laitière méditerranéenne un plan d'action basé sur des techniques innovantes de communication et des pratiques innovantes à base de plantes pour diminuer l'utilisation des antibiotiques et limiter l'antibiorésistance. C'est d'abord au niveau de l'éleveur qui va, en diminuant les intrants médicamenteux, apporter un bénéfice puisqu'il va mieux valoriser le lait. Et nous avons aussi d'autres bénéficiaires, les acteurs de la transformation, de la santé animale et humaine, et donc le consommateur et l'ensemble de la société civile. Le projet est innovant par son approche qui est un continuum entre le travail au laboratoire qui va permettre d'apporter des connaissances fondamentales sur les vertus curatives et préventives des plantes et un transfert direct au niveau de l'éleveur qui va utiliser les acquis pour mieux soigner les animaux et améliorer la qualité du lait. La Tunisie est le deuxième plus gros consommateur d'antibiotiques dans le monde. Il faut savoir qu'en 15 ans, il y a une augmentation de plus de 65% d'utilisation des antibiotiques, ce qui est énorme. Il faut vraiment agir très vite. Non, pas dans l'immédiat, mais nous allons outiller l'ensemble des acteurs intermédiaires de manière à ce qu'ils pourront, eux, mettre sur le terrain les acquis et les innovations de ce projet. C'est une alliance entre 5 partenaires de 4 pays européens, la France qui est leader de ce projet, l'Espagne, l'Italie et le Portugal, qui s'associent avec 5 partenaires tunisiens du monde de la recherche, du développement. Nous avons également des entreprises privées du secteur laitier dans le projet. D'abord, on va prouver l'efficacité des traitements à base de plantes sur les mammites. On va mettre en place un plan d'action à l'échelle nationale pour diminuer l'utilisation des antibiotiques. On va sensibiliser les éleveurs aux risques encourus par une utilisation massive des antibiotiques sur la santé de l'animal, de l'homme et de l'environnement. Et enfin, on va mettre en place des outils de communication pour sensibiliser les pouvoirs publics sur les risques encourus par cette utilisation d'antibiotiques. J'ai choisi cette photo car elle illustre parfaitement le déploiement du plan d'action innovant sur le terrain avec l'ensemble des acteurs de la filière laitière en Tunisie.